supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Bonjour à tous, c'est Blueshart, on se retrouve pour le deuxième épisode de ce Let's Play sur Subnautica. Et nous allons faire un petit truc sympa, c'est que nous allons regarder, aller chercher les ressources, non pas dans la flore locale on va dire, mais directement sur la faune locale qui, regardez, regorge de toutes choses. Corail cerveau. Alors attendez, si je mets un coup de couteau il va pas... Hein. Ah c'est ça, d'accord. Oui, c'est vrai. Ouais, je vais pouvoir le planter devant chez moi, ça, après. Non. Pour... Non, c'est pas... Les champignons acides, ça, c'est bien pour les piles. Par contre, en mouvement, c'est pas pratique, hein. Ah, faut le couper. C'est ça. T'aurais pas du minerai d'argent, par hasard, toi? Mauvaise herbe putride, ok. Bon, j'ai été... J'étais un peu présomptueux là. Par contre... Oh là là, c'est impressionnant. Inoffensif normalement, mais... Attendez, on va ranger le couteau. Inoffensif, mais... C'est où les yeux? Wow. Oh là là, ce truc. On dirait un visage, vous avez vu? Avec les yeux là. Hop là. Nez, bouche, les petites... combien d'insectes, les petites tentacules là. Hop. Oh ouais. Bon, attendez, je me pousse parce que là, je pourrais pas prendre d'air. Et j'ai pas une leur remontée sur la tête. Ouh là 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 là. C'est con, je le sais que c'est inoffensif, mais franchement ça. Ça rassure pas. Ok. Notre capsule est là combien? 300 mètres, ok. Bon, on replonge. Ah, un pod. En fait, je charge de l'argent là par là. Je sais plus pourquoi, mais on a besoin d'argent. On a du quartz, on va le récupérer aussi. Je fais un petit vide dans l'inventaire, un petit, mais... Conduisant un biome inconnu, oui, c'est là. Ouais, on n'a pas le... Qu'est-ce qui m'a shooté? Ah, c'est ça, là! Ah, bon, on sait qu'ici, il y a... Fragment de bioreacteur, voilà. Alors... Cherche des minerais d'argent, on a du sel, on a du quartz. Mais je vois pas d'affleurement rocheux. On a combien? On a 100 mètres. Ah, là. De l'or. Oups. J'ai entendu un bruit suspect. Là, peut-être. Non, cuivre. Pas falloir tarder à remonter. C'était de l'argent ça. J'ai flippé avec le... Purée, il fait nuit. Oh, il y a un... Il y a une épave. C'était quoi qui m'attaquait? J'ai même pas vu. On a quoi là? Ouais, le titane je l'ai pris pour faire des armoires parce qu'après on a une capacité de stockage assez limitée en fait. Et rapidement, il va falloir faire le scanner. Niveau bouffe, j'ai rien. J'ai de l'eau. Je suis assez impatient d'aller visiter les îles. Parce que quand je vois tout ce qui a été modifié niveau graphisme, etc. sur juste autour de la base, comme à force de refaire les parties, on connaît un peu par cœur tout ce qu'il y a autour.
Y a un petit moment que l'île, j'y avais pas été. Et ouais, il me tarde de voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ouais, du titane. Ok, déployable alors. Une. Deux. Bon. Détonation quantique. Ouais. Là, je peux pas? Non, sérieux? On pouvait le mettre là avant. Les conteneurs, d'accord, bon, mais ça va sous l'eau. Oula. On va y mettre tout ce qu'on n'utilise pas. Hop. Non, l'argent, je vais le garder. Ok, les champignons. Ah non, c'est les spores que j'ai pris, mince. Plomb, pas de suite. Ah, on a un message. Argent, quartz, soufre de cave en garde. Ça, on s'en tape. Ça, on s'en tape, ça, on s'en tape, ça, on garde. Ok. Hop, on va aller écouter le message alors. Reçois un appel de détresse préenregistré. Je le joue. Ici capsule de survie 3, je télécharge nos coordonnées. Nous sommes en train de combler certains trous dans notre siglaïde d'urgence. Ne paniquez pas donc si nous sommes en retard pour le rendez-vous. Et aussi, ne rentrez pas à la maison sans nous. Sérieusement. LifePod 3 terminé. Ok. Alors, il va nous falloir le scanner. Qu'est-ce que je peux faire en électronique? Pile de cuivre. Ah, et la pile, c'était quoi? Champignon acide, bien en dessous. Minerai de cuivre. Bon, on va pas s'éparpiller. Alors, on va... Pile et titane. Donc, pour la pile, il me faut un champignon acide. Qu'on va aller chercher, hop, ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça va nous faire six piles. À chaque fois que j'ai du cuivre, je referai une pile. Ah, je viens de remarquer la capsule. L'équipage a indiqué que leur sigla est endommagé. Donc ouais, va nous falloir aussi le... Va nous falloir aussi le... Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Oui, d'accord, super. Et titane. J'ai plus de titane, mince. Quel boulet. Bon, on va aller en chercher vite fait. Ben vite fait, je vois rien, c'est affreux. Alors, on va se fier au vin d'Orin, parce que c'est là qu'il y a le... Qu'il y a le plus de débris au sol. Faut juste que je tombe dessus en fait. Alors on a 9. C'est vraiment bien fait. Va-t'en toi. Voilà. Mange des cailloux. Les débris, non? Oh, c'est fou les mines d'or. Ah non, c'est le. Si le jour se lève. C'est les grosses baleines qu'on entend là, celles sur lesquelles j'étais au début de l'épisode. On va retourner. Je suis pas parti de mon côté, je crois. Hop. Voilà, un peu d'air. Il se part là. Donc le LifePod 3 avec le scanner. Ah. On va récupérer le Seaglide, même si je crois qu'il y a les plans. Du plomb. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, fragment de véhicule mobile, ok. La musique, des fois, elle prend des allures angoissantes, on se demande pourquoi. Ça fout un peu les... Les jetons. Ouais.
Bon, il n'y a plus de débris, c'est ouf. Oui, je veux bien, mais il me faut du titane. Et il n'y a pas de débris. Tiens, un débris. Tu m'as lâché ou pas? Je crois que c'est pas mal, regardez. On peut se déplacer en tenant le pad. Ouais, ok, je pense qu'on a ce qu'il faut. Vous avez bougé, vous? Non. Ok, alors. On va faire le titane et du coup... C'est horrible, j'ai encore oublié ce que je vais faire. Électronique, batterie de capacité, d'accord, non, c'était pas ça. Outil... Ah, scanner, voilà. Le scanner peut être utilisé pour synthétiser les blueprints de la technologie salvage. On va te mettre là, voilà. On a un coup d'eau encore. Alors songer à manger dans pas longtemps. On va faire le titane. Qu'est-ce que tu me dis là? Alors, ça je l'ai déjà. Ça je m'en tape. Ça je m'en tape, ça je m'en tape. Ensuite déployable. Ok. Ou alors on va chercher directement. Ouais. On va aller directement à la capsule de survie numéro 3. D'ailleurs, elle est où? Oui, numéro 3, on va te mettre en jaune, on te verra mieux. Et ouais. D'accord. Ouais, on va peut-être se vider quelques trucs avant. On va garder la pile. Ah, l'œuf il rentre pas. Et la deuxième capsule. Hop, elle est là. Non. Attendez, j'en ai perdu une, là. Tu rentres toi là-dedans? Non. Bon, ok. On peut pas partir plus léger. Alors, elle est où? Elle est là. Combien? 200 mètres. Oh. Du coup, on va regarder si on peut pas scanner 2-3 choses. Genre par là. Là-dedans, on a quoi? On a rien, on a rien. Ouh, la gravisphère, ça va être sympa, ça. Un sur deux, deux sur deux. Est-ce que ça donne toujours du... Ouais, ça donne toujours du titane, parfait. La poubelle. Ouais, la gravisphère va nous donner du titane, toujours utile. La gravisphère, ça va nous changer la vie pour obtenir, c'est quoi ça? Pour obtenir de la nourriture, certaines choses, vous allez voir, je vous montrerai. Fragment de balise, parfait. J'ai pas vu l'air.
Ah, on y est déjà, ok. Ah non, mais c'est la porte, ok. Attendez, je vais rentrer, je veux juste voir ce qu'il y a autour. Fragment de Seaglide, ok. Il en faut deux, il n'y en a pas un autre dans le coin. PD abandonné, ok. Et ça nous donne la boussole, génial. Génial. On n'a rien à scanner ici? Non, c'est quoi qui fait la lumière? Je sais pas. S'ils sont tombés là, ça a dû tomber pas loin le deuxième fragment de Seaglide. On va scanner ça au passage. À gauche, je crois que c'est de l'or ou de l'argent. J'en profite pour scanner un peu toi au passage, t'as de l'argent. Je cherche désespérément des schémas du Seaglide par exemple. On a la gravisphère à faire ça, ouais. Je vais pas tarder à la faire parce que... Ça va vraiment être plus facile de choper des poissons. Hop, ok. Il doit y avoir des choses. Il y a des rôdeurs en face là. Je crois qu'on se rapproche de la source thermique. J'entends. Je vois rien comme. Qu'est-ce que je me suis pris? Je vois rien comme schéma, ça m'inquiète un peu. De toute façon, c'est toujours quand on les cherche qu'on les trouve pas. Putain, mais je peux te scanner alors, toi. Ouais, Ray Lapin, mais je peux pas te récupérer. T'es où? Reviens là, petite. Voilà. Alors, on va aller faire notre gravisphère. Qu'est-ce qu'il faut? Oh, du cuivre. Forcément. Armoire, on s'en tape. Ici. La boussole. Ah, ça pourrait être la boussole. Bon, on va aller chercher du cuivre, je crois que j'en ai dans les armoires, j'en doute. Ah, lingot de titane, on peut faire maintenant. Ouais, mais ça va pas être utile de suite, ça. Donc, du coup. Minerai de cuivre, c'est ça. Elle est où la gravisphère? Là. Minerai de cuivre, ok. J'en ai là ou pas? Non. Après, pareil que j'aurais pas en avoir. Et non, j'en ai pas. J'ai du titane, j'ai de l'or, j'ai plein de choses, mais j'ai pas de cuivre.
Alors, mon copain de tube, où es-tu là? Il n'y en a pas dedans. Est-ce qu'il y en a dessus? Non, c'est pas celui-là alors. Ah, il n'y aurait pas des chemins ici par hasard? Si, le Seaglide, génial. Je passe à côté tout à l'heure en fait. Bon, du cuivre, s'il vous plaît. Parfait. Cuivre. Oh, ça, c'est la baie véhicule mobile, je crois, ouais. Ce qui va nous permettre de faire notre premier mini sous-marin. Donc, il y a des choses par là. Et la nuit commence à tomber, je ne vais plus rien voir. Ça y est. Il fait tout noir. La gueule. Là, on a du quartz. Je sais pas comment. C'est fou, on voit rien. Hop, là j'en ai vu un. Mince, je peux ramasser. Calme assez pesant là en fait, c'est bizarre. Oui, t'inquiète. Ok, bon, on a ce qu'il faut pour aller faire la gravisphère, on va la faire. Et je vous montre comment ça marche, c'est vraiment cool. On a un message ou quoi? C'est allumé? Non. Hop, gravisphère. On la laisse en 5, on va se faire de l'eau. Attendez. Non. On a quoi? Oh, on a juste un pochon. On va le manger, tant pis. Ouais, on va le manger, de toute façon on va se faire... Allez, on va tester la gravisphère de suite. Et vous allez voir, on va se mettre dans un endroit où il y a beaucoup de faune. Et vous allez voir que c'est bien marrant et bien pratique. Où c'est que je vais la mettre par là? Ouais. Alors 5, hop. Et alors là, hop, voilà. Ah, j'ai dépassé moi. Revenez là. Ah, t'es où? Voilà. Hop, regardez. Je me demande si les... le rôdeur aussi se fait choper? Non, il m'attaque. Oh, il vient manger mes trucs. Oh, c'est pour moi. Voilà, et là on peut manger tranquille. Attends, je vois rien avec toi là, sors de là. Alors allez où la gravisphère? T'as que des raies lapins de toute façon, hop. Allez, on revient là-dessus. Ok, donc l'aurora va exploser dans 2 heures. Juste le temps pour nous de se faire à manger. Alors de poche, on va en faire des bouteilles. Et on va se faire à manger. Igloo. Hop, hop, hop. Voilà. Je vérifie ce que j'ai là-dedans. Du quartz, j'ai encore de l'eau là. Voilà.
Et normalement, si j'ai pas de bêtises, c'est le moment. Oh, on va le voir de nuit, ça va être encore plus beau. Oh là là, c'est lune, c'est un truc de dingue. Celle-là, mais c'est même pas. Elle doit être à la limite de l'atmosphère de cette planète en fait. C'est pas possible qu'on la voit bouger aussi vite. Bon, je vous fais une petite ellipse et dès que je reprends. Bon, on se retrouve ici, c'est beaucoup plus long que prévu, donc du coup je suis parti faire un petit peu de pêche aux ressources. Et en même temps, si je peux trouver des schémas, bah parfait. Qu'est-ce que tu veux que je scanne ici là? Le tube de corail géant, d'accord. Ah, viens ici. Un truc qui pète ça, non? Non? On va en profiter, je suis en train de réaliser. Pourquoi je l'ai mis en... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as tout changé là. On va en profiter pour lire le journal de la capsule de survie numéro 3. Voir ce qui leur est arrivé et ce qu'ils nous ont dit. Alors, déjà qu'est-ce qu'on a comme nouveau schéma? La boussole, ouais, qu'on va pouvoir faire. Ah, le Siglide, je suis bête, je l'ai, oui. Il faut rien du tout pour le faire en plus, parfait. Ok, la véhicule mobile, il nous manque deux parties, la balise une. La salle multifonction, ça va être sur l'île là-bas. On le fera, mais au prochain épisode. Et la poubelle, ok. Non, il en reste deux. Un. C'est lequel? C'est la batterie haute capacité, ok. Alors, journal local, oui. Je fais ça juste pour qu'il m'enlève les petits chiffres en haut. Ok, alors. Flormant calcaire, oui, bon, ça d'accord. Flormant engrais, ok. Analyse environnementale 2. Ok, donc planète océanique de catégorie 3. Atmosphère, oxygène, azote. Forte biodiversité, avertissement de sécurité. Héberger des prédateurs de classe Léviathan. Ouais, on en a pas rencontré encore. Ils se baladent derrière et un peu devant l'Aurora, et franchement, vaut mieux pas le croiser. La planète est en dehors de l'espace de la Fédération. Un sauvetage est donc peu probable. Il n'est pas recommandé d'explorer cet environnement sans des équipements de protection et de soutien adaptés. Ok. Débris éparpillés, oui. Alors. Survivant de l'Aurora, voilà. Oh. Alors attendez. Je vais pas le dire en même temps. Vous pensez vraiment que ça nous suffira? Que ça suffira à nous porter à deux? Ouais, parle. Du Seaglide? Ah oui. Donc, vous pensez vraiment que ça suffira à nous porter à deux? Un Siglaï normal peut tirer une masse de 80 kg à plus de 30 km/h. La cellule d'énergie que j'ai bricolée à celui-ci devrait doubler sa puissance. Vous pensez qu'il y a quelque chose de plus rapide dehors? Oh, c'est certain. Et c'est en supposant que la cellule ne surcharge pas 3 mètres après qu'on sorte. C'est en supposant que la cellule ne surcharge pas 3 mètres après qu'on sorte. Pas ce qu'il appelle la cellule. Vous semblez calme. Je me concentre sur l'ingénierie. Si j'arrêtais de réfléchir, je serais mort de trouille. Voir avec le ton.
regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? Oh, sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. I'll be terrified. Tube de corail, ok, faut en a quoi. La raie lapin. Avec peu de prédateurs, elles sont naturellement curieuses pour une chair extrêmement toxique, donc on peut pas le manger. Elle dit que les deux grands yeux de la raie sont des histoires d'adaptation. Sont des adaptations relatives récentes, pratiquement récentes. Il ressemble même qu'il y ait d'autres espèces de raies dans d'autres biomes environnementaux de la planète. Analyse immangeable mais inoffensive. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Fabrication de piles, c'est pour le vrai. Comestible, application dans la construction, oui. Comestible? Je savais pas ça. Et on a quoi? Théorie avancée. Aphalienne. Ouais, l'unité de confinement extraterrestre. Oups. Voilà ce que je voulais vous montrer. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. 80-10, 9. Je vais plus parler, on finit l'épisode là-dessus. 6, 5, 4, 3, 2. Suit has been added to your blueprint database.